le pardon. Vous me direz que nombreuses sont les routes. Il y a beaucoup de cas. Si c'est un rêve, t'es super belle. Let's go. Action. Stade de Reims qui déclamera sur le sujet suivant. Pardonner, est-ce une faiblesse ou une force? Ceux qui pardonnent sont d'ailleurs peut-être ceux qui détiennent le secret du bonheur, ou du moins, de la paix intérieure. Par eux, on entretient et on crée des relations. On partage nos expériences, nos péripéties, nos pleurs. Au contraire, lorsqu'on est seul, c'est difficile d'avoir la force d'avancer. Un proverbe dit « Pardonne aux autres non pas parce qu'ils méritent la paix, mais parce que toi, tu mérites la paix. » Il ne faut pas avoir peur d'avoir besoin des autres, parce que c'est grâce aux autres que nous devons nous utiles. Ça c'est lâché, c'est bon. Le deuxième prix est attribué à Kétia Poussis. Les filles ont été formidables. Je pense qu'il y avait différents sujets de traiter. Elles l'ont vraiment incarné, ça leur tenait à cœur. Elles ont montré beaucoup de courage. C'est pas simple de venir comme ça devant une audience et de s'exprimer. Elles l'ont fait avec le cœur, avec l'émotion. On a pris énormément de plaisir à être là aujourd'hui. Ça sort complètement de ce qu'on a l'habitude de penser des joueuses et des joueurs. C'est incroyable. Il faut qu'il y ait plus de concours d'éloquence. C'est tellement une autre facette. Parce qu'en réalité, ce sont des grandes sportives professionnelles et donc évidemment débattantes, mais elles ont leurs problématiques et elles parlent de la société d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a eu un petit coup de cœur pour Kétia parce qu'elle est très très jeune et la façon dont elle a exprimé ses arguments et la spontanéité qu'elle a eue, elle a vécu son sujet, elle a vécu aussi ses émotions. Donc bravo à elle, bravo au Stade de Reims, parce que c'est bien d'avoir des personnalités comme ça au sein de votre équipe. Ah bah elle est incroyable, Kétia. C'est vraiment force, c'est une leaduse, donc on le voit dans sa façon de regarder chacun, de choisir les mots, de parler du groupe. Et en même temps, on sent que voilà, elle est jeune, donc c'est pas forcément son médium, quoi. Elle l'a pris, elle dit ok, c'est un nouveau challenge, je le prends. Elle est vraiment très forte.